Le prince de la chancelie. Le prince de la chancelie. Laissez-nous vous expliquer un système à l'équilibre qui est fermé. Les réactions peuvent s'inverser, direct ou inverse, de même quantité. À température, concentration, vitesse et couleur constante. Équilibre homogène, change pas d'état. Hétéro, c'est vice versa. Augmentation de concentration favorise l'action directe. En ajoutant du OH-, diminue, favorise l'inverse. Augmentation de pression favorise le côté avec le moins de mol. Diminution de pression favorise l'opposé. Par exemple, augmentation de température directe, diminution de température inverse. Ajout de catalyseur plus vite, mais aucun effet sur l'équilibre. Si un stress est appliqué, la réaction voudra s'équilibrer. Cette opposition forme un principe, le principe de Le Châtelier. Équilibre! Tout en thermochimie. Un rappel de l'équation de la vitesse. Une fois les cas isolés, on trouve le cassé. Voilà, équation transformée. Concentration de produits sur les réactifs avec leurs exposants. La constante d'équilibre ou le cassé sera maintenant trouvée. Le fameux tableau IBF, une autre manière de trouver le cassé. Commençons par la lettre I, indique les concentrations initiales. Et ensuite, la lettre B, la variation des concentrations. Et finalement, la lettre E, concentration à l'équilibre. Mais attends! Car il existe, n'y a qu'une info, il faut utiliser la quadratique. Oh, ajout des variables X et l'insérer dans l'équation. Le ABC dans quadratique nous laisse trouver la valeur de X. On a les concentrations à l'équilibre. C'est pas si difficile que ça! Allons-y! Oh mon ami Cutie, il savait combiner les prédictions qualitatives, les preuves quantitatives du Châtelier. Une dernière chose, ce n'est pas trop compliqué. Réaction non spontanée s'arrête quand l'énergie est coupée. Les explosions sont spontanées, n'ont pas besoin d'énergie pour s'activer. Retour à l'unité 3, quand on a appris l'enthalpie. Exo, c'est spontané. Endo, non spontané. Faire la désordre, c'est l'entropie. Plus de mots de gaz sont produits. L'entropie sera positive. Si ça ne s'applique pas, c'est négatif. Quand le delta S et H sont de même signe, l'équilibre est possible. Mais quand les signes sont différents, il y a une réaction.